Hello! T'as besoin d'être aussi proche? Je sais pas, c'est pour faire un hello. Salut! On dirait des grands-parents sur mais Skype. Non, c'est pour faire genre salut, puis après. Coucou! Après, ça... Vous m'entendez? Bonjour! Cette fois-ci, pas de navigation, pas de rhum de chocolat à déguster, pas de cascade de dauphins, on est en mode bricolage. Et ouais, ça fait 2 semaines qu'on est amarré à couple de cet atelier flottant. Ouais, on est sur l'eau. Et dans cette vidéo, vous allez voir ce à quoi on a contribué à fabriquer pour notre beau bateau. Ce qui est cool, c'est qu'on participe à la fabrication du portique avec le professionnel. Et tout ce qu'on fait, ce sera ça de moins pour lui à faire et donc ce sera décompté de la main d'œuvre. Actuellement, le portique est terminé, il est installé et ce qui est super, c'est qu'on a économisé 16 heures de main d'œuvre. Maintenant, à vous de voir. On va donc virer le balcon arrière qu'on remplacera par un portique. Donc ce ne sera pas un portique ajusté sur un balcon, ce sera à la place du balcon. Donc aujourd'hui Christophe il bosse pas, il nous a laissé l'atelier. C'est quand même un chouette endroit qui moi me fait rêver parce que j'aimerais beaucoup avoir un espace de travail comme celui-ci. Voilà. Donc la mission c'est de faire des pièces en alu et en inox, support de panneaux et support de poulies pour l'annexe, les bossoirs, etc. Donc j'ai des petits schémas ici qu'il m'a fait. J'ai un gabarit d'une pièce que je dois reproduire là, l'appareil. C'est quoi les bails? Tout ça pour ça. Je me prends tous les trucs. Ah, regardez ça là, voilà. Bah oui, mais regardez les gants de protection que j'ai aussi. Voilà, tout ça pour ça. Il est où mon autre gant là? Mais tu sais, enfin si tu te places bien, t'auras aucune émail sur toi. Hein. Yes. En tout cas, t'avais l'air bien à l'aise. Mais c'est vrai que ça bouge un peu, hein. c'est pas évident, voilà. C'est un atelier sur l'eau, donc ça bouge. Allez, encore un, et encore trois, pardon. Il faut trois. Ah oui, il en faut quatre. Exactement. Forêt 25, là, c'est du gros diamètre là. Ça peut être long, hein. Donc, à tout à l'heure. C'est beaucoup là. Hein. Tu as chaud? Oui, un peu. Ce que j'essayais de vous dire, c'est que ça avance pas mal, hein. Regardez la bête. Donc, l'espace bossoir pour l'annexe. Allez. Avec les petites pièces qu'on a fait nous-mêmes. Là, le reste, c'est lui. Allez-y! Bravo! Bravo, Mare! J'aplatis les... pour que ce soit plat comme ça. Ouais. Quand ça chauffe, je change et je repasserai après. C'est quoi cette pièce? Ce sera pour accrocher les filières, genre par là. Coucou mon chat. T'es dans le bazar là? T'es dans le bazar de Marie? Marie qui s'est complètement trompée d'atelier? C'est pas un portique ça, c'est quoi ce travail là? Là tu bosses pour d'autres gens. Oui, je répare le taux de quelqu'un. Bon bah c'est bien, ça fera des sous pour payer le portique. Voilà. Et pendant ce temps, moi je m'occupe de libérer donc tout ce qu'il y avait sur le balcon et de virer les deux panneaux solaires. Sachant que bien sûr, celui par lequel je commence, tous les boulons sont complètement grippés. Regardez l'intérieur.
Donc ce que je fais, c'est que je prends mes deux meilleurs potes, le WD et la barre de fer. Je voulais virer ceux-là, mais c'est pareil. Du coup, je vais m'attaquer aux quatre plus gros qui enlèveront du coup l'axe central avec le support qui est là et le panneau. Ce sera déjà ça. Parce que l'avantage, c'est qu'ils ont été changés il n'y a pas si longtemps et ils ne sont pas grippés. Voilà. C'est pas évident, mais j'ai l'impression que ça finit par venir quand même. Bon, moi je passe à la Dremel, hein, parce que là ça me saoule, donc boum bam. Donc, ça avance pas trop mal, et maintenant, mission que je préfère, c'est la pause repas. Bon, ici il y avait un panneau solaire, ici il y en avait un aussi, boum. Sur la filière avec des serflex directement sur le chandelier. Ici j'ai 4 gros boulons avec des gros écrous en dessous et ils partent assez bien. Il y en a juste un sur les 4 que j'ai du mal à enlever, donc c'est très bon. Ça là, ça part très bien, ça c'est déjà enlevé, donc je suis assez rassuré. Ça c'est cool, ça part bien. Donc la nouveauté là, tac, il y a les bossoirs avec taxe pour les poulies, ça sera pour l'axe des panneaux solaires, le taquet là-bas pour les anneaux pour la filière, et là ma mission ça va être d'utiliser la pouliche. On va poulicher là, c'est pas fait, alors que là c'est fait. C'est joli, hein. Coucou mon chat, tu veux donner un coup de main? Si t'es là pour glandouiller, ça sert à rien que tu viennes, hein. D'accord. Petite session nocturne. Après la couture, Marie m'a rejoint. Et là, on est en train de passer le dernier petit coup de polish à la main. Avec cette petite crème là, vous voyez. On met un petit bout de crème partout. Et après, on prend le chiffon. Et hop là! Hop là! Et on essaie de faire en sorte que ce soit tout beau. Et que ça brille! Et que ça brille! Bon, il est 19h passé, on va peut-être s'arrêter un de ces quatre. Hein. Eh bien, le bonjour! Il fait toujours aussi beau ici en Martinique! Hop, on va embaucher, donc on passe du bateau à l'atelier. Ça, c'est pratique. Hop là! Bonjour, bonjour madame! Bonjour! C'est pas mal, hein, pour un premier polish sur un premier partique. Beaucoup trop long. Et on se casse, hein. C'est beaucoup trop long là. Ah, et ben il pleut. Et ben on va retourner travailler. Finalement on revient. Waouh, mais qu'est-ce que t'as fait? Mais qu'est-ce qui s'est passé? On a perdu le balcon. Le bateau va être tout nu. Non, continue. Ok, nickel, c'est bon. Très peu évident, mais là je suis dans la cabine arrière et j'essaie de repérer les boulons dans le vaigrage. Je garde le pouce dessus pour pas le perdre. Il va falloir que je fasse un trou, que j'enlève les 4 boulons. Donc ça me fait un peu mal au cœur, mais je crois que j'ai pas vraiment le choix. Donc c'est parti. Il est mon cutter. Il est mon cutter. Putain, j'ai pas envie de faire ça. Non. Bon, après je recollerai, hein, puis voilà. Donc 1, 2, 3 et 4 boulons. Plus de balcon. Ça fait vraiment bizarre. Ici là-bas, c'est l'ancien balcon.
Et voilà. Alors c'est pas fini, hein. Là, il n'est pas vraiment fixé. Il est tenu par la drisse de GV qui est juste ici. Donc là, on voit bien que la pièce est arrondie. Elle est tenue par des vis, le temps de faire les points de soudure. Et ensuite, ce sera des boulons. Et les boulons, le problème, c'est qu'ils arrivent juste ici. Là, il y a une vis et il y en a une autre juste là, sous mon doigt. Donc ça, ça va. Mais la troisième, elle est là-dedans. Elle est de l'autre côté. On a fait une sorte de petit coffre en bois pour laisser passer les câbles. Je pense que je vais devoir défoncer le coffrage en bois. Hein? Et toi là-bas? Tu fais la tête ou quoi? Ouais. On rigole pas aujourd'hui? Donc sur les bons conseils de Marie, je vais faire un petit trou à la Dremel. Et si y a besoin, je ferai un plus grand trou au lieu de tout défoncer. C'est pas une mauvaise idée. Bon, bien sûr, il faut pas abîmer les câbles qui sont de l'autre côté. T'as des roses dans ta sieste? Je suis désolé, hein. Pourquoi c'est rouge dedans? C'est la lumière? C'est la lumière, ouais, c'est la lumière, ça, tout simplement. Okay. Donc voilà, on voit la vis qui est juste ici. Donc oui, il n'y a pas peine de faire plus grand que ça, hein, parce que là, on peut passer une clé, choper le boulon. Il y en a toujours un qui fait rien, c'est toujours le même. Hein, hein Milo? Si ça ferme tes yeux, fais ta sieste. Et toi, là? Il y a toujours une qui fait quelque chose, c'est toujours la même. Hein. Passage de câble? Oh oui, c'est ça. Ça fait plaisir, ça, passage de câble. Alors ça, c'est les trous de l'ancien balcon. Après les avoir agrandis, on les a fraisés afin de faciliter le rebouchage. Ensuite, on les a remplis avec de la résine époxy chargée en silice et en mini-fibre. Salut! T'en sors? Ouais, j'ai commencé à avoir mal au dos. Ouais? C'est lourd. Après le lustrage, nous avons mis le portique à poste. La fin du chantier est proche. Mais il y a toujours un boulon difficile à caler. À l'intérieur, Ogier galère avec les écrous, et à l'extérieur, Christophe se fait tremper. Finalement, on ouvre le coffrage pour se faciliter le travail. C'est bien plus pratique. Mais Ogier sait qu'il devra tout refaire. Enfin, voici le résultat. Trois écrous bien calés avec leur support en contreplaqué, les câbles pour les panneaux solaires disponibles pour les branchements, et bien sûr, un nouveau coffrage à faire, avec charnière cette fois-ci. Il est pas là. Hein. Il est peut-être un peu plus haut. Bah ouais, mais attends, je vais bouger. Ah, je l'ai. Wouhou! Yes! J'ai le câble, mais c'est pas le câble que je veux. C'est le messager numéro 1 pour faire passer le messager numéro 2. Trop cool. Pour faire passer le câble. C'est parti. Tu tires doucement. Je déteste ça. Du coup, on passe cette petite cassette orange. Hop, on l'attache au câble du panneau solaire. Ah, apparemment, elle l'a reçu. Nickel! Et ensuite, je retire dessus. Ça roule! Et on aura le câble gris, le câble du panneau solaire. Moment délicat, presque chirurgical. Je l'ai! Wouhou! Il faut que je dénude ça maintenant, moi. Ou je dénude ce petit bidule. Si t'es là pour aider Milo, t'arrives un tout petit peu en retard. Hein. C'est fini. Ou presque en tout cas. Il est posé, il est boulonné, cicaté. Les panneaux sont à poste. Tout est là. Il manque pas grand chose. Donc on a les filières donc à compléter parce que là il y a tout un espace vide de chaque côté. Les câbles ils sont passés. On est en train de faire de la résine pour boucher les petits trous. Qu'est-ce qu'on a à faire? La chaise pour le moteur aussi, c'est vrai que je suis en train de vernir, là, on la voit là. Et puis là, je crois que ce sera officiellement terminé. Donc c'est top, on est bien content. C'était un bon chantier.
On est vraiment content du résultat. Bon, on le verra mieux dans la lumière.